Bon, ben, Caroline, les gars sont efficaces en maudit. Tu commandes de quoi sur Internet, pis ça arrive avec les gros trucks, malgré beau temps, mauvais temps. Merci, monsieur FedEx. J'espère qu'il n'y aura pas de misère à monter à la côte. Hey, c'est vraiment capoté. J'ai du service en maudit aujourd'hui. Donc là, je viens de recevoir ma situation tournée. Makita! Alors, on va faire. J'ai déjà vu ça sur Internet. On va faire le déballage de la nouvelle scie à chantonner 16 pouces à vitesse variable. Allez, hey, attends, je te montre comment ça marche. Bon, ben voilà, c'est mon nouveau gadget. Je me suis fait venir une scie à chantonner. Ça va être mon prochain jouet pour faire des patentes. Hein? On se prépare à la retraite. Alors, il s'agit du modèle Makita SJ. 401. Donc, on déballe ça, puis on regarde c'est quoi qu'on a comme surprise à l'intérieur de ça. OK, on ouvre la patente. On fait de plastique dessus, ça va emballer. C'est pas chez lui que c'est fait, ça. Il est en Taïwan, je pense. OK. Donc, la première chose qu'on voit, c'est le livre d'instruction. OK. OK, le livre d'instruction, c'est normal. OK, là, j'ai pas mal de... J'ai pas mal de styrofoam là-dessus. Là. Voilà. Je vais l'enlever dans l'autre sens. OK. Hop, allez. OK, il y a ici... Ah, j'ai des lames ici, on va voir. Comment qu'il y en a. OK, j'ai trois... Trois clés Allen. Okay. Il m'a envoyé des lames, différentes lames. Ok, j'ai pas mal toutes la même grosseur. Ouais, je pense que oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est des lames avec des pins au bout, là. OK. Mais parce qu'il y a aussi, ça existe des lames pas de pins. OK. Donc là, on va voir. OK, 3 Lenki, 6 lames, livre d'instruction. C'est emballant. C'est assez lourd quand même. C'est assez lourd. On va regarder tout ça. Quand tu penses que c'est fait à l'autre bout du monde, puis que tu commandes ça, puis bing-bang, ça arrive chez vous, c'est quand même capoté. Parce qu'on est rendu les humains, hein? Je te le dis pas. Et voici l'engin. Une belle base de béton. Et pas de béton, de fonte, pardon. C'est assez lourd comme engin. Et voilà. Donc c'est bon parce que j'ai quand même regardé sur Internet un peu comment ça fonctionnait. Donc, OK, on va regarder ça de proche. Donc une scie à chantourner. Moi, j'ai choisi Makita parce que déjà pour la réputation de la compagnie et puis aussi parce que j'ai regardé toutes sortes de modèles, mais ici, tu sais, je peux relâcher la tension. Ah, il y en a une lame dessus. OK, une lame dessus. Donc, ça veut dire que dans le fond, il y a 7 lames. Ouais, ben c'est ça. J'ai choisi elle parce qu'on peut relâcher la tension parce qu'il faut souvent jouer avec la lame, OK, parce qu'on l'enlève, on la remet pour passer au travers. Donc ça, c'est pour ma tension. Tu vois que j'ai rien qu'à serrer plus fort ici, puis ça fait plus de tension ou moins de tension. OK? OK, donc c'est supposé être 16 pouces. OK, 16 pouces, hein, ce qui donne 41 cm. Et puis le maximum pour travailler des morceaux de bois, ça va être de 2 pouces, de 5 cm. OK? OK, donc ici, on a naturellement l'interrupteur. Avec un petit truc là pour. Tu peux enlever ce petit bout-là, puis pour, en tout cas, ça, on ne sert jamais de ça. Le plateau, lui, il va se tasser. Ah, OK, j'ai quand même. Je vais tasser le fil, là. OK, je peux avoir 15 degrés de ce côté-là, et puis 45 sur l'autre côté. OK, donc ça, je ne sais pas, on va voir si je me sers de ça un jour ou pas. Donc, j'imagine qu'il faut vraiment s'assurer que ça soit à zéro, hein. Okay, on serre ça comme ça. Oh mon Dieu, ça passe-tu? Oui, ça passe. OK, la vitesse variable, collecteur de brintis.
Donc, on va brancher le tout. Ah, puis qu'est-ce qu'il y a aussi? Là, il y a une petite porte ici. Petite porte qui s'ouvre comme ça, que tu descends. Ah, c'est pour mettre les lames. Ouais, je pense pas qu'on se serve de ça. Ben, ben. OK. Donc, on va brancher ça, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Bon, OK, le tout est branché. On va voir comment ça run. Hein, c'est quand même assez smooth. Pas trop bruyant, pas pire. Hein? Puis la vitesse variable. Ah ben, combien? Pas si mal. Donc là, dans ce que j'ai vu, moi, c'est que la tension de la lame, c'est où? À l'œil, OK? À l'oreille. Mais ça, moi, j'ai jamais travaillé avec ça encore, donc je vais le savoir plus tard. Là. On va essayer de couper un petit morceau de bois, ouais. Juste pour le fun. OK, on va se faire un premier morceau, à vie. J'ai une espèce de petit gabarit ici. Donc, je vais tracer mon petit chevreuil. OK, alors on trace ça. C'est juste pour l'essayer. OK. Donc, ah ben, pas si mal. On démarre la pétanque. OK. Mettre une vitesse moyenne. J'ai oublié de descendre le petit pied. Parce qu'en principe, j'ai un petit souffleux, moi, là-dessus. OK. On a un soufflé d'or, là. Ça souffle pas de l'or. Ça, le tuyau, pas bien grand. Hein? Là, j'ai même pas lu le livre d'instruction encore. Là. C'est ça qui est épais, là. Moi, il tournait comme fou, tu sais. Et calme. C'est pas bon. OK, on arrête ça. Oh. Ça marche pas. Je pense qu'il faut. Il faut toujours lire le livre d'instruction en premier. OK, je vais essayer de faire toutes sortes de patentes, là. Mettons que je me fais comme... Pour vraiment tenir, là, ça tourne pas pire. Mettons, je m'en reviens de même. J'imagine, au début, on pète bien des lames, là. Premier morceau ever. Ah bon. OK, alors c'était le déballage de la scie Makita SJ401. Donc, je vais apprendre à travailler avec, puis après ça, je vais vous faire des tutoriels comment que on gère ça, une petite scie même, parce que bien, ça a l'air cool, faire des petits morceaux comme ça. OK, je pense que je peux aller jusqu'à 2 pouces, mais... Puis tout le monde a de l'air enlever le guide ici, là, je pense que je vais l'enlever aussi. Puis là, à date, on dirait pas que ça souffle fort fort, mais le tuyau, il... Le tuyau, il est bizarre, le tuyau. Là. Donc, je vais travailler avec, puis je vous reviens. Bon, ben, j'ai réussi à faire une orignale, là. Parce que j'ai un gabarit. Je m'étais déjà fait un gabarit. Mais j'ai déjà pété une lame. ça n'a pas de l'air facile au premier abord, là. Mais tout s'apprend. Donc, avant que j'arrive à en faire plus. Donc, ça, au moins, je peux travailler avec ce petit scie-là, je peux travailler dans mon atelier à l'intérieur, parce que j'ai une scie à ruban aussi dehors, mais ça frette pour les mains, mon atelier n'est pas chauffé. Donc, c'était la scie à champ tourné Makita, SJ401, je pense, c'est ça. Donc, finalement, quand tu veux défaire la lame, faut que tu changes ça, mais moi, je pensais que En déclenchant ici, on pouvait l'enlever facilement, mais non, faut slacker ça au complet, là. Comme ça. Faut vraiment que ça... Je pensais, moi, que en le déclenchant,
ça me permettait de défaire la lame. Mais non. Donc, ça prend la petite clé ici. Comme ça. OK. Puis là, à partir de là, tu peux enlever ta lame. Parce que tu veux, je vais la péter bientôt. Mais là, c'est des lames avec des petits tenons, là. Mais je me suis fait venir des lames sans tenons. On va voir si c'est plus efficace. Ils sont peut-être un peu épaisses, là. Donc, c'est pas donné. Dans le sens que on vient pas bon tout de suite en partant. J'ai quand même réussi à faire des affaires de même. Là. Faire des casse-têtes, OK? Des petits serpents, puis des petits morceaux, c'est comme ça. Mais tu vois, gars, j'ai déjà enlevé une partie du guide. Ça allait ici, ça, comme ça. Et puis, mais j'ai laissé lui, là, parce qu'il est pas trop. Il est pas trop emmerdant, là. Donc. OK. Donc, elle m'a peut-être venu bon. À suivre.